Ho, 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 ho! Salut! J'espère que vous allez bien. On est le 1er décembre. Il est 2h40 du matin. C'est jour 1 du Vlogmas. Déjà le mois de décembre, c'est fou comment ça passe si vite. Puis oui, je suis dû refaire mes cheveux. En fait, le Vlogmas cette année, il va fonctionner comme ça. Il va y avoir, oui, des vlogs, mais aussi il va y avoir des vidéos sur le budget. Il va y avoir une vidéo par jour pendant au moins 24 jours. On commence par ça. Avant de dire que je vais me rendre jusqu'au 31 décembre. Mais il va y avoir aussi des vidéos sur le budget. Il va y avoir d'autres vidéos aussi. Qui dit le mois de décembre dit va être l'anniversaire de mon temps d'abstinence aussi. Je vais avoir 18 ans cette année. C'est fou, 18 ans. Justement, je viens de finir mon meeting. Fait que c'est ça. Fait que très contente de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on devrait faire pendant le Vlogmas? Mais en tout cas, c'est sûr, il y a une chose, c'est qu'on va faire les décorations de Noël. C'est sûr qu'on va parler de l'alcoolisme. Parce que c'est une période qui est difficile pour certaines personnes de pas boire ou de pas consommer. Fait que c'est ça. Fait qu'on va passer le temps des fêtes ensemble. Fait que sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, quand même, pas si pire. Ça a été une année qui se termine bientôt, très difficile. C'est une année qui a vraiment été dure, moralement aussi. Puis, c'est ça. Puis, beaucoup d'acceptation aussi. Hein, vraiment beaucoup d'acceptation. J'ai commencé à me faire suivre en santé mentale aussi. Ça, je vais vous en parler, ce processus-là. Tout un processus, la santé mentale, on va dire. Sinon, ma Flore, elle va avoir 9 ans cette année. C'est fou, 9 ans, j'en reviens pas. C'est spécial. Quand je la regarde, là, c'est comme... Aujourd'hui, c'était... aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais hier, vendredi. Samedi, c'était le défilé du Père Noël dans notre région. Puis elle assistait à ça, elle avait l'air contente. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais me changer. Je vais aller me coucher un petit peu. Parce que quand même 2h40 du matin. Fait que on se retrouve un petit peu plus tard pour le vlog. Puis j'ai hâte, je vais avoir bientôt une nouvelle machine à café. c'est ça. Fait que je suis très contente de vous retrouver. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Durant ce temps des fêtes, on va voyager aussi, on va faire un petit peu de route ensemble, on va faire une couple de belles choses ensemble. Fait que c'est ça, très contente de vous retrouver. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Puis sur ce, on se reparle tantôt. À tantôt. Salut, il est rendu 2h20. Puis je suis en train de regarder les Vlogmas qui sont déjà sortis. Donc, j'espère que ça se passe bien pour vous le dimanche. Fait que c'est ça. Là, je m'apprête à faire un peu de ménage. Puis à travailler à l'ordinateur. J'ai un nouveau logiciel de montage vidéo sur mon Mac. Puis, parce que je me suis acheté... ça va faire un an en février. Ça va faire un an en février que je me suis acheté un MacBook Pro Max. Pas neuf, là, usagé. Puis il va super bien.
Là, j'avais un logiciel de montage que j'utilisais, qui était Filmora, je pense, quelque chose comme ça, qui était sur mon cellulaire. Fait que là, j'en cherchais un pour qui est compatible avec mon Mac, mais qui est compatible aussi avec mon iPhone. Comme ça, si je suis en déplacement, puis j'ai mon téléphone, puis j'ai pas mon ordi, ben au moins, je peux l'utiliser. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais travailler là-dessus. Sinon, journée bien relaxe aujourd'hui, honnêtement. Je voulais faire mes cheveux, mais ça me tente pas aujourd'hui. Je vais faire ça cette semaine. Parce que je suis vraiment dure. Fait que c'est ça. Sinon, à part ça, cette semaine, j'ai quand même quelques rendez-vous. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. J'ai un rendez-vous aussi en santé mentale. Ça se passe quand même bien, ces rencontres-là, en santé mentale, malgré tout, hein, sérieusement. Mon processus, ça se passe quand même bien. Mais bonne nouvelle, tu sais, j'ai pas de maladie mentale autre que l'anxiété et tout ça. C'est, j'ai pas de bipolarité, j'ai pas de troubles autres. Fait que ça, je suis vraiment contente. Sinon, là, je pense au jour de l'an. Ben, en janvier ou quelque part comme ça, je vais au mois de. Un peu avant sa fête. J'ai un ami à moi que j'aime vraiment beaucoup, mais que j'aime encore beaucoup, qui est décédé. Puis il a été marquant pour moi, cette personne-là, fait que je voulais me faire un petit dessin pour lui. Puis mon fameux projet que j'avais commencé, mais que ma tatoueuse a tatoué plus, fait qu'il va falloir que j'aille voir quelqu'un d'autre. Fait que ça va se faire au cours de 2025. Mais celui que je veux pour mon ami, ben c'est un petit mini tatou, fait que c'est pas tellement compliqué à faire. C'est drôle parce que dans 4 jours, c'est mon anniversaire de sobriété. Puis, ben, je peux le nommer, c'est mon ami Serge. Il avait beaucoup de problèmes de consommation, puis un mal de vivre vraiment important. Il avait une maladie aussi, que ça faisait un an qu'il se battait contre ça. Puis, son mal de vivre, puis ce côté sombre-là de lui a pris le dessus, fait qu'il a décidé de mettre fin à ses jours. Je trouve ça vraiment difficile, pour vrai. Tu sais, il y a des gens comme ça qui sont marquants dans ta vie. Puis, cette personne-là l'est parce que quand tu vois, que tu sais, quand les gens, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas l'air d'avoir un mal de vivre intérieur incroyable, puis tout ça, puis lui, il l'avait tellement pas, ce côté-là. Tu sais, quand je parlais au téléphone, tu sais, je disais, voyons donc, ça se peut pas, c'était tout le temps. C'est ça. Fait que ce temps-ci, j'arrête pas de penser à lui. Je pense à lui et à sa fille, surtout. C'est ça. Fait que si vous avez, tu sais, en temps des fêtes, si vous avez des gens qui ont des problèmes de consommation, tu sais, entourez-les. Vraiment, ceux surtout qui ont un mal important de vivre, entourez-les. Prenez le temps
de vous asseoir avec eux, de même si des fois on trouve ça un peu niaiseux, tu sais, ce que les gens pensent puis disent, ou tu sais, ils sont dans leur folie mentale, tu sais, prenez le temps de vous asseoir avec eux puis de juste de vivre, de vous mettre dans leur peau, tu sais. Puis si c'est votre cas à vous, consultez. Oui, il y a des groupes, dont Alcoolique Anonyme et autres, mais faut pas avoir peur de consulter, tu sais. C'est ça dans mon cheminement en santé mentale que, oui, tu sais, c'est un ordre de la course, je peux dire ça comme ça, mais j'ai embarqué dedans volontairement en me disant que ça allait m'aider, tu sais. Puis c'est là où quand je rentre à la clinique, puis tu sais que je vois des gens qui sont en difficulté, c'est là où ça me prouve que c'est bien de consulter puis de pas avoir peur de prendre de la médication pour les troubles d'anxiété puis tout. Fait que c'est ça. Fait que sur ce, on se reparle tantôt. Puis, ben, passe la journée encore ensemble, mais ça va être une journée très relaxe, hein. On va travailler à l'ordinateur, puis c'est sûr. Ce vlog-là sera pas très, très intéressant, je vous avoue, honnêtement. Il va être, je pense qu'il va être naturellement parlant, très simplement, je pense. Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé, tu sais, fait que je vous ai pas parlé, fait que c'est ça, ces temps-ci, je suis plus sensible. Je m'ennuie beaucoup de mon père. Je m'ennuie de lui. Hier, j'écoutais des vieux vidéos, tu sais. Des vieux vidéos, puis Marie-Flore, elle aime ça écouter des vieux vidéos quand elle était petite. Puis, ouais. Je m'ennuie de lui parce que lui aussi, c'était quelqu'un de marquant. Tu sais, ça a été quelqu'un de marquant dans ma vie. C'est là où tu réalises des fois que quand ils sont là, t'en profites pas assez, tu sais. Sais, des fois, la vie va tellement vite qu'on profite pas des. Mais d'une certaine manière. Qu'on profite pas des gens, tu sais. Tu sais, je veux dire. On prend pas le temps ou, tu sais, on a une vie avec des enfants, tu sais. Nos conjoints, tu sais. Puis. On repousse tout le temps nos trucs, tu sais. Puis c'est quand ils sont plus là ou quand ils sont très malades qu'on se rend compte que la vie est courte, t'sais. Mais j'ai eu une tante du côté de ma mère qui est décédée subitement, t'sais. Hélène, ça a été surprenant, t'sais. Ma mère était très malade. Je vous avouerai, j'ai failli la perdre comme plusieurs fois. C'est là où tu dis. Qu'est-ce qu'on profite pas assez de un, la vie, de deux, on met nos. Tu sais, il y a souvent beaucoup de controverses, il y a souvent beaucoup de choses qui nous. Tu sais, nous. On fait pas la paix avec certaines choses, des fois, puis moi, je suis dans ce processus-là de faire la paix avec ce que je peux pas changer, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que je suis dans ça, dans cette période-là, tu sais. Fait que.
pense que ce vlog-là va m'avoir permis de vous dire un peu puis de vous montrer vraiment la sensibilité que j'ai. Puis, je pense que durant le vlogmas, vous allez apprendre beaucoup de choses. Oui, il va y avoir des choses de fun. Oui, il va y avoir des concours. Oui, il va y avoir des trucs comme ça, dont des billets de spectacle. Mais je pense que sur ma chaîne pour 2025, je pense qu'on va partager beaucoup sur certaines plateformes. Puis je pense que je vais recommencer aussi à faire des lives, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est des collaborations aussi. T'sais, vraiment, je pense que ça va être. Ouais. Ça va être une belle année qui s'en vient. Fait que sur ce, on se reparle tantôt. À tantôt!